Well, I would just I would like to, I don't want to leave anybody out, so I do want to congratulate Grael again on his graduation, and I know we've had many graduates today also. We're very proud. They've done a lot of hard work. It really does take a lot of hard work and dedication to get to this point. I'm very proud, and I want to congratulate them and their families. Vraiment, moi, je félicite toutes les à Grael. Il y a tous les élèves qui se sont gradués aujourd'hui. Ils ont fait un grand travail. Vraiment, je félicite à tous les élèves qui ont reçu ces diplômes aujourd'hui et ces familles. C'est un grand moment pour tous. Merci. Do you speak Lingala? I do not, but I do know that when I saw you, I wanted to say Esengo Yakumonayo. Thank you so much. Merci beaucoup, okay. Monsieur Jean. Wow. Nous sommes très heureux. Ok, merci beaucoup. Bye bye. Oui. Good evening. How are you? Yeah, we're doing good. How are yourself? I'm doing very well. Thank you. Mr. John, we are seeing you here because tonight is Grael graduation party. Yes. First question, how do you feel when you see the young people got their diploma, their high school diploma? I am so proud of them. I'm so proud of Grael and everybody who got their diplomas today. This is a really big step in their lives, and it is something where they can continue on with their education or to a career. And I'm so happy because it shows they have made a great accomplishment with all of their work, and that pays off now with their graduation. When I graduated from high school, and I also graduated from Galesburg High School, it was just a wonderful feeling of saying I have done all this work and now it pays off. And I looked back and I said all the effort was worth it. And I also looked and I said I was ready for my next step. It made me confident that I was ready for my next step in life. And in my case, I went on to college. And so it was a way for me to say, okay, now I can move on to my next step. So do you mean after we get a diploma or to get a diploma? Okay. Yes. So I think it's important to remember when you're working towards a diploma that you're working towards a goal for something that's going to pay off and help you get to something you enjoy and that fulfills you later in life. And so you discover maybe things that you're interested in and you like doing. And so as you work towards a diploma, you think it's very important to work in my classes, to get involved in activities, to become a well-rounded person, and to be able to really feel like that when you've finished your high school that you have really given it your best effort, and that is going to help set you up for your future. So absolutely, I think there are a lot of things that you keep in mind as you're working towards your diploma. And once you get your diploma, if you're going off to college or the university or a tech school, then you know, it's a way to say, okay, I can move on
and then you're ready to continue on with your education. And if you're going on to a job, then it's something already, you have that diploma in hand, and that's very valuable. It can help you to get a job, certainly. It can help you to move on to college or to another school, to get to university and to get further education towards a career. So there's a variety of things, but a high school diploma is so very important to get. Of course, bien sûr, uh-huh. Bon, c'est en circonstance, je suis premièrement très fier de Kael, de tous ses copains qui ont reçu les diplômes aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un moment très important dans la vie. C'est un moment qui signifie qu'on est prêt pour continuer avec soit l'université, soit avec un travail, soit avec un métier, mais quelque chose qui signifie déjà quelque chose, un pas très important dans la vie. Et aussi qu'on a fait un grand travail pour arriver à ce point. C'est très important en fait, n'est-ce pas? Parce que on a, c'est presque... Bon, pas obligatoire, mais on a très besoin de faire recevoir les diplômes de l'État ici, ou High School Diploma, parce que ça c'est nécessaire pour continuer avec l'université si on veut trouver un bon métier, un travail, continuer la formation, ou sinon pour trouver un bon travail. C'est-à-dire que c'est un moment qu'on reconnaît qu'on a fait un grand travail. On reconnaît le travail qu'on a fait et que l'important c'est de continuer avec ses objectifs dans la vie. C'est un point très important pour ça. Bon, en fait, premièrement, je connais que parfois il y a des difficultés qui arrivent pour aller à l'école, soit des difficultés financières, soit des difficultés que l'école c'est loin, ça dépend, n'est-ce pas? Chaque personne a sa circonstance. Mais disons que la seule chose que moi je peux dire, c'est qu'on connaît qu'on doit faire tout possible pour aller à l'école, pour arriver à un point qu'on peut recevoir le diplôme. Parce que, au moins aux États-Unis, que c'est ce que moi je connais, c'est qu'ici le diplôme, ça a une haute importance. Ça. C'est, disons qu'avec le diplôme, ça vous ouvre les portes au travail et au métier, et c'est-à-dire à la qualité de vie, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que c'est possible, peut-être sans diplôme, mais c'est-à-dire que normalement, presque toujours, on veut le diplôme et on veut faire tout l'effort possible. Et vous savez qu'aux États-Unis, même avec les gens qui ont des difficultés financières, des difficultés d'arriver à l'école, nous avons des façons d'aider ces gens qui ont des difficultés pour arriver à l'école, arriver à ses rêves qu'on reçoit avec les diplômes. Non, je parle que 3 ou 4 langues, n'est-ce pas? L'espagnol et aussi je parle un peu le catalan aussi. C'est une région en Espagne, proche de Barcelone, n'est-ce pas, là-bas. Mais plutôt les langues fortes, c'est le français, l'espagnol et l'anglais. Ça, c'est important, je crois. C'est important de reconnaître que on doit toujours être un citoyen du monde, n'est-ce pas? Nous sommes tous ensemble, même si parfois il y a des barrières de la langue, géographique, mais nous sommes tous, nous essayons d'avoir la meilleure vie, n'est-ce pas, tout le monde? Ça, c'est mon plaisir, toujours. Certainly, that's an excellent question. It's also a very difficult, that's a large question, that's a big question, yes? I can't say what works for different people. I can only say what works for me. Right, and from my own experience, and this works for me, once again, I can't say for everybody, but for me, I tried to have faith that we will have a better future. I tried to have faith that we will all try to work together to come to solutions. I tried to have faith that the better people know each other and understand each other and talk just like we are right here, that will create a better future, and we will want to help each other as brothers and sisters have a better future. That is what carries me through and keeps me positive. Je peux répondre à la question en français si vous voulez.
je répète, bon, et, exactement. Et comme j'avais dit en anglais, en fait, ça c'est une grande question, c'est-à-dire, quand on pense à cette question, c'est une question très importante, aussi une grande question. Et en fait, moi je ne peux pas dire pour ce qui marche pour tout le monde, je connais, pour moi, ce qui m'aide un peu avec l'espoir. Et pour moi, ce qui m'aide avec l'espoir, c'est de penser toujours que le futur doit améliorer. Les gens, quand les gens, ils se connaissent, quand ils parlent l'une avec l'autre, quand ils s'aident l'une avec l'autre, ça c'est de la façon que le monde va se devenir mieux, qu'on va résoudre les problèmes ensemble. Et en fait, c'est pour ça que moi je dis que pour moi, pour mon côté au moins, lorsqu'on se connaît mieux entre tous les gens, malgré les barrières géographiques, les langues et tout ça, mais toujours nous sommes des humains, on doit travailler ensemble et imaginer le futur, hein, un meilleur futur pour nous, pour tous. Well, I don't want to leave anybody out, so I do want to congratulate Grael again on his graduation, and I know we've had many graduates today also. We're very proud. They've done a lot of hard work. It really does take a lot of hard work and dedication to get to this point. I'm very proud, and I want to congratulate them and their families. Vraiment, moi, je félicite toutes les à Grael et à toutes les élèves qui se sont gradués aujourd'hui. Ils ont fait un grand travail. Vraiment, je félicite à toutes les élèves qui ont reçu ces diplômes aujourd'hui et ses familles. C'est un grand moment pour tous. Merci. And so he was in my 7th grade class, and I'm very, very proud of him. Yeah, I teach middle school ESL, English as a second language, and I love it. I love my students, and they really seem to appreciate the education that they get when they come to America. I'm sorry. And so I just love the kids. I love the families, and I learn a lot from them as much as they learn from me. Yeah, I can go. So I'm Jessica Jones. I'm a teacher at the high school, and I had Grael as well, and I've seen him every day until graduation. So when we get new students, it's usually very exciting. We're excited to get to know them and their families, and I think we just do a lot of practice. A lot of practice speaking and reading and writing, and as much as we can be around each other, we all learn a lot from each other very quickly. Oh, it'll take a long time. But if you are good about practicing, and if you are patient, you will, and you work hard, you will learn quickly. It's a good question. It is a good question. It is a difficult. It's not always easy. I think, especially in other countries from America, I think it's not always easy. Sometimes, you know, children have to work, or you know, families need to have an income. But even here. But you know, in the long run, those children will be able to provide for their children, and you know, just be more successful, and you know, have a more full life the more education they're able to get. Well, everyone can fill out the FAFSA to find out what money is available to them. And there are in Galesburg, we have options like the Gale Scholar Program, and there are lots of different scholarships you can apply for separate from FAFSA that you might get. There's definitely a lot of options. You just have to go out and look for them. Yeah, and I think with FAFSA, I think it just depends on what your family size is and what your income is, whether you would qualify. It's dependent on income and family size, sometimes even if the family makes too much money, they can still qualify for things like student loans as opposed to the free money, the grant money. So it just depends, but everybody has the right to fill it out to see what they would qualify for. And everybody should fill it out. Yes. Ooh, some greetings. Shout outs. I don't know. Like, hello to everybody watching. Thank you so much. You're welcome. Do you have something to say?
Merci beaucoup. Bonsoir. Je reçois ça à moi parce que faites ça à moi, Nabi. Il y a des gens qui en famille. On va célébrer. Mais ce micro parce que mon père est beaucoup dérangé. Mon père est beaucoup dérangé. Ça n'a pas ce micro. Je reste. Faut battre pour y côté. Bonsoir, moi des mots parce que mon bébé est dérangé. Il y a un mignon pour le bézaté. Chaboy. Nous sommes en famille. Nous sommes juste pour célébrer la fin d'études à moi en Abisso. Nous allons encourager à continuer sur ce travail libre pour appeler sa famille saine. Grand frère Naï, la PCE, je m'en encourage, mais belle. La famille de Mazamia continue toujours à essayer de maïer les sagesses et l'intelligence à Kenny. Et là, on va penser. Merci. Merci. Moussa, nous sommes salassés. Non, on va quitter. Ouais. Kasi batwa ya ah c'est là que la question mon pardon question mon con asse asoya fait le guide dit kitoko hein kitoko ah Jérôme bonsoir Jérôme au retard la fête. Mis ou pas, mais où est la fête? Où est la fête? Félicitations, longue vie à Kenda Kerena. Jérôme Batbaï qui cala parce que je fais des bananes. Je
Jérôme, là, tu n'as pas question. Yeah, go ahead. Ask whatever you want to ask. Jérôme, tu vas jouer à Awa, tu vas jouer à Awa. Vano Awa. Là, tu n'as pas des questions. Je vais vous montrer et je vais vous montrer mais je pamba vous montrer que je vais 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 vous Et même si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. 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 Tu as un peu de Là, je suis en ligne à la vidéo. Fans. Quand tu as une niche, tu as fait un peu de mood. Je pense que niche. Je pense que tu as un mood. Mon bébé, I love YouTube. La bâtie. Oui. Va bien pour ta musique. Tu es bien. Attends, à Boukanga, il habite 3ème Yalou. Ne sais rien où il va 3T, il va belé à Oumeli. Donc, il peut y avoir trop. Il peut y avoir 3 personnes autant à péter. On va là-bas au 4 ans. Babali, coupage, hein? Coupé. Coupé. Merci beaucoup. Et Guinda Kamabe, tu y es dans le système, il y a l'homme qui dira et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Congo Kinshasa, Congo Brazza Angola, Tala, Namokili et le combat qui mariage. Basala Kamoka Kambalamoko. Pour Salangon Balamoko, il faut le modérateur, il y a bien. Nanyango, Yeyo, modérateur, il y a solo. Modérateur international, Monsieur Tigana Mbumu, Sokyo Lingi Batouba Sepela, Olingi na événement na yo, Batouba la late, na mariage na yo, Mbonga Dote Zonga, Osa la provision, y'a 3 mois, 4 mois, 5 mois, Tala, Ngaye yo, modérateur international, Monsieur Tigana Mbumu, Tokoti 2020. Année à bénédiction, année à ma bala. Yo moi si, ok la ma po bala. Yo mo bali, ok la ma po longwanda ka babo tcho kome pay na yo. Événement yango nini, nde mariage. Tala, ngaye yo, kwa hésitete, benga modérateur international, na numéro oyo. 082 096 85 71 085 13 96 793 090 37 36 833 et Zakaka mariage t événement en cola anniversaire événement en cola collation événement en cola activité culturelle bakisele yango lisusu les activités parascolaires ngaye yo Monsieur Tigana Mbumu, modérateur international. Bakista Lissou, événement matinée politique. Ngaye yo. Même si Matanga, na vrai boule, modérateur international. Yeyo. Congo Kinshasa, Kola la télé. Moma ici, Benami, Oyo Motofa, Sepela. Na mariage, Batou Bakoma Kola Lisa. Ba modérateur, Bakoma Kola Lisa. Mais Monsieur Tigana, apaisa coup, apaisa sentiment. Benga, Okosala décité. Et